jouer sur sa guitare au fond d'un vieux café. À peu de soleil sur le goudron mouillé et les gens s'en vont. Le jour va se lever. C'est la dernière chanson. Vous vous demandez certainement pourquoi les coulisses du parc débutent par ces images. C'est simple, c'est ici que tout a commencé. C'est en effet pendant Bercy 92, et plus particulièrement pendant la tournée, que se sont décidées les grandes lignes des concerts au Parc des Princes. Et nous vous invitons à participer à une des premières réunions de production. Nous sommes à Toulouse, le 19 novembre 92, dans les salons du Grand Hôtel de l'Opéra. À l'ordre du jour, le décor, l'entrée de Johnny et un sérieux dilemme. Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas d'invité sur scène? Telle est la question. Inégalable. Le parc. Donc je pense qu'il y a ça. Super. Donc voilà, c'est parti. Oui, je suis d'accord. J'ai entendu dire que tu voulais mettre tous les poursuites sur le toit. Moi, rien sur la pelouse. Rien du tout. Je fais le tour en haut, le tour comme ça, le tour en bas et un tour intermédiaire. Je m'en fous, mais alors, mais complètement des autres. Moi, il n'y a qu'un mec qui m'intéresse, c'est Hallyday. Toutes ses chansons. Maintenant, il faut qu'il y ait un carré de VIP, c'est là qu'il faut qu'ils soient les invités, à mon avis. C'est là qu'il faut qu'ils soient, ou les Tina Turner et tout, et qu'ils regardent bien, c'est tout. En tant que... fan, en fait, je parle comme un fan, dire un peu ce qu'il veut, tu vois, ce qui se fait aussi. Alors donc, plus d'invités du tout, ou famille? Si, la famille. Tout le monde attend ça, tout le monde, c'est sa vie, c'est son truc, c'est son truc. Tu viens voir le concert de la vie de Johnny et tu vois Sylvie Vartan qui arrive, t'es ravi. Ouais, t'es ravi, mais tu cries. C'est sûr, tous les fans y restent. Dans les différentes idées qu'il y avait de rentrer en scène, classe, pression, émotion, t'imagines, car là d'un seul coup, il satisfait tout ça, tout le monde, tout il ne le verra jamais après. C'est bien pour ça. D'un seul coup, il les a satisfaits. En tout cas, il est arrivé ici, là, comme ça, et voilà, il marche tranquillement. Voilà. Et là, quand il s'arrive ici, il y a autre chose qui se passe. Et il démarre peut-être pas, enfin, je sais pas, il démarre peut-être pas tout de suite sa chanson, non, il marche tranquillement. Et puis, arrivé à un certain point, il a un chef, et paf, il attaque. Idole de jeunes. Et quand il arrive là-dessus, après, c'est autre chose. On les couche. Allez, là, ici, l'hélicoptère, le machin, le soldat, c'est tout. L'idée, c'est là, il arrive. Là. Et là, il donne des jeunes en traversant. Voilà. Et là, il a deux jours. Et c'est deux jours en plus. Il va rentrer Ce décor fabuleux n'a malheureusement pas été retenu pour des raisons budgétaires. Johnny aurait dû chanter au moins un mois pour amortir son coût. Dommage. Dans les bureaux du Palais Omnisports de Paris-Bercy, le 21 janvier 93, plusieurs décorateurs ont été conviés à plancher sur le futur décor du Parc des Princes. Un par un, ils défendent leur projet devant leur maquette et sous l'œil intéressé de Johnny. Donc on m'explique ce que c'est. Alors ça, on va faire venir la personne. Le principe, c'est la machine à remonter le temps pour faire partager tout un voyage avec le public. Donc, ce que j'aime bien moi dans les trucs, c'est les trucs qui vont, qui descendent, etc. Il y a un effet qui se produit, il y a une forte lumière, il y a un éclair. Le monolithe descend, il dévale toute la rampe et il s'enfonce directement sous la scène. À ce moment-là, il y a un trajet lumineux qui s'effectue, qui est en fait un artifice. C'est une flamme qui se propage, elle vient traverser tout le stade et elle vient vous chercher. On peut quand même faire des trappes, des apparitions et des disparitions de choses, vu qu'il est très grand, qu'il y a beaucoup de place. C'est ça pour les évolutions. Autrement, moi, je pense que machinerie spéciale. Attention, on est à la passerelle des écrans de l'eau, le grand écran qui est parce qu'après il peut se s'enrouler, donc il y a avoir le fin. C'est finalement l'architecte Luc Delemazur qui retiendra l'attention, bien que son projet de tour soit transformé en un des ponts les plus célèbres du monde, non pas le pont de Puteau, mais le Golden Gate Bridge de San Francisco. C'est parti sur la Chrysler, c'est-à-dire que la Chrysler Tower, c'est une tour qui a déjà en base, qui repart, comme toutes les tours américaines. Qui se termine par cette toiture qui est assez superbe. Donc. Plus de 4 mois se sont écoulés. Nous nous envolons avec une partie du staff de Johnny en direction de Gresswiller, une base militaire à l'est de la France, où a été monté dans le plus grand secret, base militaire oblige, le fameux pont. Elle est presque, je ne vais pas se dire, c'est ridicule ce que je veux dire, presque un peu de revoir à Millet.
personne sait, de vous voir faire le décor. Et maintenant, on en est arrivé, même moi, je suis dans mon entourage, à part les gens du bureau, et tout. Mais alors, bah oui, j'ai dit, il y a un décor de 115 mètres de large, sur 31 mètres de haut, il y a. Mais quoi? Ah, oh, bah, je verrai. La surprise est de taille, même pour les plus blasés. Voir le Golden Gate Bridge dans la campagne alsacienne a quelque chose de surréaliste. Mais si je regarde à travers, ça tu vas y chanter. Je voudrais faire un petit spectacle peinard. Tranquille, ça t'es bien parti pour faire un spectacle peinard quand on voit ce monstre là. L'équipe Staco a encore frappé fort, et puisque tout le monde est séduit, il n'y a plus qu'à démonter et à expédier tout ça dans le 16e. Ben voyons, pourquoi pas par chronopost. Et hop, un dernier autographe et direction Paris, où les répétitions nous attendent. Jean-Pierre Foucault dans le studio de Sacrée Soirée que se tiendra la deuxième répétition. Pour le programme officiel du parc, il faut des photos. Entre deux averses, Tony Frank profite des séances de répétition pour tirer le portrait à toute la fine équipe. Ah, il commence à pleuvoir. Dépêche-toi. Tony, chaque goutte, c'est pour toi. Allons-y.
Merci. Non, là tout est bien, là on est prêt. Hein. Ah, pas mal. Comment tu le sens là? Bon. À plus. Ça va, je crois. Hein. Ah, ouais. C'est parfait, parfait. T'es sûr que c'est ton bon côté? Bien sûr. T'as un bon côté? Ouais, celui-là. Ouais. T'as vu, il s'allonge pour lui. Tu veux où le bateau? Oui. Jean-Pierre, on aurait dû faire une photo avec des micros, non? Ou des câbles et tout ça dans les mains. Ah oui, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Et maintenant, l'arroseur arrosé en compagnie de Bernard Schmitt et Joël Devouge. Aux commandes, Nicolas, l'assistant de Tony. Détail qui a son importance, Tony Franck n'est jamais content de ses photos. Dans notre série « Les routiers sont sympas », voici un convoi exceptionnel. Long de plus d'un kilomètre, il a fallu en effet 18 camions de 38 tonnes, partis à 4h du matin de Vasselon, près de Strasbourg, pour transporter à Paris le décor du Parc des Princes. Voici à présent au studio Long Courrier où se sont déroulées la plus grande partie des répétitions. Et nous vous proposons de découvrir Sylvie Vartan dans une version canine des tendres années. Tu me dis que tu... voilà le substitut. Tu me dis que tu l'aimes. Je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime. Bien plus fort, en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour elle. Le sais-tu, la lumière, ce n'est pas éternel. Ne le voir en air que l'espoir au jour des
tendres années. Et ben c'est ça les tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, où j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière. Pour les tendres années, merci pour l'émotion et l'amour depuis si longtemps. Et happy birthday, Johnny. Merci, Sylvie. Les répétitions, c'est sérieux. Ça n'empêche pas la bonne humeur. Long courrier, toujours le plateau 3. Norbert Krief dit Nono et Paul Persson échangent quelques tuyaux de guitariste. Et pour ta reverb, tu peux la programmer. La reverb, c'est ça, c'est la... Ouais, elle est en midi aussi, ouais. Ça te fait... toutes les basses, ça te fait poum poum. Pendant ce temps, Eddie Mitchell, consterné, constate que le son des retours studio est poussé à donf, ce qui lui concasse la tête. D'accord. Bon, bah, ça a l'air fort. Hein, ça, ouais. Vous jouez encore un peu plus fort que le jour. Oui, oui, c'est ça. On a fait des progrès depuis. Vous arrêtez quand, alors? Bon, je fasse un peu de muscu quand même parce que... Ça craint. Hein, un petit peu de muscu parce que là, au niveau des bras, c'est pas ça tout. C'est un petit peu trop bizarre. C'est bon? Voilà. Et voilà le travail. Aime-moi comme je t'aime. Il y en a. Tu fais le premier couplet, non? Le premier refrain, Eddie. Deuxième couplet, deuxième refrain, pardon, Johnny. Et le premier refrain, c'est... Et le pont ensuite, ensemble. Ouais. Jean-Pierre, on va se le faire refaire une fois. Hein. Si tu peux l'enregistrer en cassette pour Eddie. Comme ça, il l'a avec lui. Hein. S'il a envie de l'écouter un de ses jours. Avant le 18. Ou parce après, qu'après, ou même plus tard. Après, ce sera plus tard. Excuse-moi, parfait. De venir à toi, mais c'est que j'aime ton centre de tes bras.
Vous pourriez arrêter de chanter pour nous dire ce que vous pensez de Johnny en commençant par votre premier souvenir, hein ? Toute première rencontre, je crois que c'était dans une à l'issue d'une surprise party, donc pas loin de chez lui d'ailleurs, vers la Trinité, vers le soir de la Trinité, et j'avais un copain qui avait amené des disques de qualité, bien sûr. À savoir des listes de Jim Vincent à l'époque, enfin, donc c'est vieux ça. Et en repartant, mon copain récupère ses disques, et bien sûr il en manquait. Et il y avait un grand blond dans l'escalier qui discutait avec la concierge, et qui avait bien sûr embarqué les disques, et qui voulait les laisser en dépôt dans la loge. Et c'était bien sûr Johnny, qui avait déjà bon goût, et qui avait goulé ces disques-là. Donc il a fallu qu'il s'exécute pour les vendre, le bougre. La première fois que je l'ai vu, c'était dans une boîte qui faisait des matinées, qui était rue du Faubourg-Montmartre, qui s'appelait l'Astor. C'était aussi un cinéma, d'ailleurs, je crois. Et il y avait une boîte, et lui chantait en matinée, il chantait des trucs de Lenny Dunegan, notamment. Moi, des meilleurs souvenirs, c'est au début où j'ai commencé moi à chanter, quelques temps après Johnny, on nous avait mis en rivalité. Enfin, certains journaux, ça les amusait, Johnny contre Eddie, qui va gagner, c'est cela. Et nous, on s'en foutait, bien sûr, royalement. Et un jour, lui chantait, je ne sais plus voilà, les endroits, les lieux, je ne me souviens pas. Mais on s'était téléphoné, comme on n'était pas loin l'un de l'autre, on s'était dit, on va dormir dans le même hôtel, comme ça on fera une fête, on dînera, on s'attend après le spectacle, le premier arrivé étant l'autre avec les équipes, et on se retrouve pour dîner. Et il y avait des journalistes qui étaient venus et qui n'en revenaient pas, quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils croyaient à ce qu'ils écrivaient. Et on était là en train de discuter, tout allait très bien, il y avait des fans dehors qui étaient heureux comme tout. Et ça avait détruit leur petite légende à eux. Quoi. C'est simple, je veux dire, et quand je dis simple, c'est la simplicité, mais dans le bon sens du terme, c'est quelqu'un de large, d'adorable, de gentil, et donc qui a le cœur sur la main, et qui parfois même l'a trop. Donc, enfin, c'est prouvé, je veux dire, c'est fait escroquer je ne sais combien de fois, et ça continuera, j'imagine, il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
Et même, je veux dire, en amitié, des fois, il vous donne des trucs qu'il faut pas prendre, faut lui rendre, parce que il fait une connerie, quoi. Il va pas au-devant de ses responsabilités très souvent, c'est vrai. Il se défile un peu. Ça se traduit par quoi? Ah ben, ça se traduit parce que, par simplement... Bah, il fait celui qui n'est pas là, quoi, ou qui n'a pas entendu. C'est vrai, ça... Bon, enfin, comme la qualité est beaucoup plus forte que le défaut, on pardonne. Bon, on peut peut-être pas la raconter, mais je vais quand même la raconter. Alors, nous étions à Toulon, gentil port de pêche. Et c'est une époque où moi j'avais des musiciens assez étranges, lui aussi, que je ne citerai pas, par contre. Et la nuit était, disons, bien avancée, et on était dans un bar à Marinche, où il faut pas y aller, quoi. Faut pas y aller, ouais, pas vraiment. Et puis les gens étaient adorables, les types étaient très gentils, bon, ils avaient vraiment un grand coup dans le nez, il faut vous dire. Mais on était pas mal non plus. Et il y a un type qui arrive et qui demande un autographe, puis quand même, il était vraiment baraqué, c'est pas le genre de choses à refuser, quoi. Et donc on lui signe les autographes, et puis il s'attarde un peu, il s'accroche quand même un peu. Fait Johnny, ah, j'aime bien ce que vous faites, machin, puis vous dites c'est bien, et puis alors, Johnny, autre truc, et puis oui, d'accord, bon, très bien. Vous pourriez pas m'en refaire un autre, bon, oui, d'accord, bon, puis un autre, puis on me sort, puis d'un seul coup, il lui fait, ta soeur, c'est une pute, et là, ça évidemment, là, ça a pas plu. Ça a pas plu, il s'est passé des choses. Et alors? Mais moi, je cours pas très vite, normalement, mais là, j'étais très rapide. Ah ben surtout pour lui, Kili 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 Watch 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 Watch. Après il la connaît mieux que moi, mais c'est sa préférée, je sais que ça lui fait plaisir. Grande braderie avec... Pas de nom. Sacrée soirée, deuxième pour l'occasion et sous une chaleur accablante, c'est Jean-Pierre Foucault et Gérard Louvain qui ont fait le déplacement avec toute leur équipe de tournage sur le lieu de répétition. Ce soir-là, Johnny chantait en avant-première « Je serai là », la chanson spécialement créée pour le Parc des Princes. Je pose 2-3 questions à Johnny. Johnny, bien ça, comme ça, passe ici. Et ensuite, Johnny de la porte rentre et je chante ma chanson. Ah non, c'est Johnny qui chante sa chanson. Tes yeux ou dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, oui, comme ces rêves qui rendent heureux. Yeah.
c'est bon, Johnny, on a tout. Johnny, merci. Merci, c'est bon. Écoute, je te verrai au parc, tu verras, ce sera moi qui serai qui ferait comme ça. D'accord. Merci d'avoir moi. Oui. Non, c'est pas toi, pardon. Non, c'est Gérard, c'est Gérard. Dans la cassette vidéo du concert, le montage du décor et de la scène vous est proposé en accéléré. Nous, on vous le montre en vitesse presque réelle pour que vous puissiez apprécier le travail des titans fourni par plusieurs centaines de titans, justement, et pendant 3 jours. Et maintenant, quelques chiffres. Le pont, 65 tonnes, 33 mètres de haut, 105 mètres de long. Il a nécessité 2500 heures de découpe, de soudure et de peinture. Son montage a duré 24 heures seulement, une performance, et nécessité 60 personnes. Monte un petit poil. Encore un petit poil. Là, c'est, on termine, on va monter jusqu'à 32, 33, plutôt 32. La main pèse 600 kg et nécessite pour son fonctionnement 10 tonnes de machinerie. Juin 93, 19h, première visite de Johnny dans l'enceinte du Parc des Princes, premier contact avec le décor. Sous une pluie battante, Jean-Claude Camus essaye d'être le plus rassurant possible. Mais la perspective de chanter sous la pluie n'enchante personne. Bonjour l'ambiance. Il vient, il s'est démerdé, il vient et le samedi et le dimanche.
Alors la seule chose. Ouais, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que. Alors ça te suffit? Ah, c'est un peu bon, petit, hein. C'est un peu petit, ouais. Ouais. C'est un petit, ça fait plus petit. C'est français, c'est un spectacle français. J'ai me casser la gueule en moto parce que ça glisse. Voilà. C'est là où on prévoit du l'antidérapant, mais en moto ça sera dur. Mais il faudra. S'il y a une antidérapant, ça va. C'est-à-dire que moi, à mon avis, si je me casse. Robert, si je me casse la gueule, ah, ce sera le début à la fin. Oui, c'est un bel effet. C'est une belle fin, ça fait une belle fin. T'es une connerie. Comment ça va? Cascadeur préféré. Heureusement qu'on a fait l'inventaire des sièges cassés avant de Paris, il y en a 600. Ah ouais. Vous aurez mis ça sur votre compte. C'est football, ça. Un dernier coup d'œil sur le pont, juste le temps d'échanger quelques mots avec une admiratrice, et direction la sortie. Et vivement le soleil, surtout. Encore des chiffres, la Seine, 60 tonnes, 72 mètres de long, 25 mètres de large, soit environ 2000 mètres carrés. Il est entré sur la scène de ma vie, dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui dormait dans mon cœur. Je suis un rock'n'roll-man. Je suis un rock'n'roll-man. Je le savais, je le sentais. Un rock'n'roll-man. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était devenu bizarre. Pour les passes ? Ouais, pour les passes, c'était pas assez. Trois passes. Mais pas sur la pelouse, hein. Ils vont dire qu'on gagne pas d'argent. La mort, ça facilite le délivrance. Le bord de suicide, donnez-moi une arme. Appelle un prêtre. Dis-moi ce que je dis. On entend sa peau dans son pantalon. Alors, Jean Albert, ça va. Chris ? Hello, Chris ! Papa, le papa, bingo ! Deuxième visite de Johnny au Parc des Princes le 15 juin. Cette fois, la météo est plus clémente, la scène est enfin montée et le moral est au beau fixe. Il avait dans les yeux l'ombre de la mélissée, la misère de toute une enfance. Et pas qu'on ne mette, ils se sont échappés, pour lui c'était la dernière chance. Mais le travail est mauvais. It's a rock and roll man. It's a rock and roll man. Rock and roll. Ses cheveux là dans ses cages, en face de ses yeux, lorsqu'il changeait. Rock and roll. Sur sa guitare épée. Que je suis, et puis la mort de rendez-vous. Chanter ses chansons, oui, c'est plus de ma vie. Dans ta vie, une course folle. J'ai la rame et vous, mais. Pense à toi quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi. Encore des chiffres, cette fois je vous le promets, ce sont les derniers. Ils concernent les colonnes son et vidéo.
Celle-ci faisait 31 mètres de haut et 12 mètres de large. Chaque colonne supportait 35 haut-parleurs et 48 moniteurs vidéo représentant un écran de 26 mètres carrés, soit 40 tonnes de matériel au total. Vous parlez trop vite les gars, ça coupe la moitié de vos phrases. Je veux Marco s'il vous plaît. Avec mon vieux copain Re, nous avons fait tous les concerts de France et de Navarre. Et c'est pas fini. And where's it sent to on the notes? One click. Okay. Hey, 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 hey. Yo, yo. Fader's on zero. Yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Bring up the fader. Hey, yeah, hey, yeah. That is good. I want the stage left side. Pascal Scosa. Anthony. The mobile got a little problem here on the toys, is that right? Go. Hey, on règle la batterie, la deuxième. Marco. Bon, Bernard Schmitt, dès que tu auras fini de gesticuler, tu voudras bien nous parler de Johnny, toi aussi, s'il te plaît ? Le premier que j'ai acheté, c'était avec une poignée de terre. Et j'ai cherché pendant environ 2 mois, sans le trouver, les mêmes mocassins blancs que lui qui était sur la photo et que je rêvais de mettre pieds nus comme lui. Et je les ai enfin trouvés. J'ai eu des mocassins blancs pieds nus et j'étais vachement content. Il a vu un clip que j'ai fait pour Goldman, qui s'appelait Encore un matin, qui était sur les backstage, la tournée, les voitures, les hôtels, les flycases et tout ça. Et il avait été touché par ça, ça l'avait intéressé, et c'est le moment où il a sorti Le chanteur abandonné, qui avait exactement comme sujet ça. Donc c'est par Alain Lévy que je suis allé le voir au Palais des Sports de Lyon. Et ça a été vraiment bien parce qu'il m'a reçu dans sa loge et il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu voudrais ?» Et moi je lui ai dit « Je voudrais vivre une semaine avec toi avant de tourner. Et ensuite je tournerai en toute petite équipe, mais je veux d'abord te comprendre, te connaître. » Et il m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème, on part demain. » Et pendant une semaine, j'ai vécu avec lui tout le temps, c'est-à-dire dans sa bagnole, toujours à côté de lui au resto.
Donc c'est assez génial comme première rencontre, parce que tout à coup, on a une semaine entièrement consacrée à comprendre un mec, quoi. J'ai travaillé, alors pas en leader, metteur en scène, mais je faisais les films qui allaient avec sur le spectacle de Berger, que Berger a mis en scène. Comme je m'entendais bien en plus avec Berger, il m'avait beaucoup intégré à l'équipe, donc j'ai fait celui-là. Et puis ensuite, bah, j'ai mis en scène les deux Bercy suivants, et puis cette petite plaisanterie là dans cet endroit en plein air. C'est pas chercher la surenchère forcément, c'est chercher des trucs qui lui vont et qui vont aux gens qui aiment Hallyday, quoi. Parce que Hallyday, c'est quand même un héros de tragédie grecque. Donc les gens cherchent quelque chose en lui, de Tennessee, hein. Et je crois qu'il faut qu'il l'ait, quoi. Faut pas les décevoir, faut pas les prendre. Pas les écarter trop de ce qu'ils attendent de Johnny. Il y a deux aspects, je crois, en lui, ce qu'il y avait dans les héros de tragédie grecque, c'est petit un, la tragédie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus un tragédien que... C'est pas du tout un comique, quoi. Et son physique, et la lenteur de son expression, et sa souffrance visible et tout ça, c'est beaucoup plus comme du côté du tragique que du comique. On n'imagine pas Hallyday pétomane. Grec, parce qu'il y a ce statut de catharsis, un peu, c'est-à-dire que tout le monde puisse exprimer des trucs à soi à travers quelqu'un, et ça, il est génial là-dessus. C'est-à-dire que quand il raconte son histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour des 50 000 personnes qui sont là, ses séparations, ses retrouvailles, son service militaire, son mariage, tout ça, c'est des trucs que tous les gens connaissent, comprennent, quoi. Donc, c'est ça qui est fascinant et qui, à mon avis, fait qu'il est si important. Il a inventé, probablement, c'est lui qui l'a inventé, la mauvaise foi. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il peut prétendre ce qu'il veut, mentir effrontément. C'est. Voilà. C'est, mais on le sait, c'est un jeu. Donc c'est pas un menteur, par exemple. C'est un type qui ment tellement à certains moments que c'est plus un menteur. Il a inventé la mauvaise foi. Mais bon, une fois qu'on le sait, vraiment, tout va bien. Moi, c'est sa générosité et son instinct. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas beaucoup, quoi, sur les choses et sur les gens. Dans l'ensemble, il a un jugement vachement rapide et vachement fiable sur les gens, ceux qui font les choses, ceux qui ne les font pas, ceux qui sont des branlots. Quitte à rester avec les branlots aussi, ça c'est un autre truc, mais... Il est assez brillant, et par exemple, quand on parle d'un spectacle, si on lui propose une idée, il sait dans la seconde si elle va marcher ou pas, quoi. Ça, je suis très admiratif de ça, parce que 6 mois avant, il dit « ça, fais-le, mais je te jure que ça ne marchera jamais ». Et ça ne marche pas à ce moment-là. Et quand ça lui plaît, ça marche. Eh ben, dadou ronron, quand l'amour s'en va et que tout est fini, dadou ronron, dadou ronron. Je savais qu'il ne voulait pas la chanter au Parc des Princes pendant un moment, donc c'est pour ça que je chante celle-là. Retour au studio Long Courrier. Johnny et David vont répéter Ma Jolie Sarah. Pour David, à la batterie, c'est un vieux souvenir, mais il ne lui faudra que quelques minutes avec les conseils d'Yves Sana, le batteur titulaire, pour être définitivement au point. Oh,
Là j'entends bien, d'ailleurs ce soir j'entends plus rien de l'oreille droite. Pour David aussi, une interview s'imposait. On lui a d'abord demandé sur quelle chanson de son père il a flashé quand il était môme. Mais disons que la première chanson, si je me rappelle bien, j'ai joué de la batterie, sur laquelle j'ai joué de la batterie, c'était Ma Jolie Sarah. Et ça a été la première chanson, je rappelle, mon père m'avait offert une, à l'époque, au moment où tous les gosses de mon âge jouent avec, font un vroom-vroom avec les petites voitures en plastique. Moi, mon rêve, c'était mon idole, moi, à cette époque-là, c'était le batteur de mon père, qui s'appelait Tommy Brown. D'abord, c'est une soirée pour mon père, c'est sa soirée. Et je suis déjà vachement ému de voir tous ces gens venir le voir, lui, parce que je trouve ça extraordinaire. De manière, il n'y a que lui qui peut remplir le Parc des Princes 3 jours de suite. Personne d'autre. Et ça, je trouve qu'il faut lui donner énormément de respect pour ce qu'il a fait toute sa vie, parce qu'il a fait vraiment... il a eu deux choix dans sa vie. Suivre la route de la famille, ou suivre la route de son métier, de l'amour pour la musique. Et quand j'étais petit, il a choisi ce créneau-là. Bon, maintenant, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui lui manquent, qui lui ont manqué, comme moi, pareil. Moi, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que mon père m'avait énormément manqué, et lui aussi. Et donc, la deuxième chose qui m'aime beaucoup, c'est d'être avec lui sur scène, de voir, de se regarder dans les yeux, et puis d'être complice dans cet événement qui est extraordinaire, et ça me touche énormément, et ça me sensibilise énormément. Ça. Il y a tellement de chansons, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je parlais des époques. Il a su à chaque époque utiliser une chanson qui lui va très bien. Parmi les différents styles de musique, plus la musique a évolué, plus il a évolué, il a su utiliser faire dans le style de l'époque. Alors bon, c'est dur de répondre, de dire une chanson, il y en a beaucoup qui lui, pour moi personnellement, moi j'aime beaucoup son époque, l'époque de Gabriel, Pénitencier, peut-être un petit peu avant, Noir c'est Noir, tout ça, ce sont des chansons qui sont très fortes et qui ont beaucoup d'émotions et qui lui vont très bien. Et maintenant il y a des chansons comme Tennessee ou L'Envie, qui est une chanson sublime que j'adore, qui lui vont très bien aussi. Donc c'est une chanson, je ne peux pas dire qu'il y a une chanson vraiment, il y en a plein. Le plus grand respect que je peux lui donner en tant que son fils, c'est de dire que après lui, je pense qu'il n'y a personne au monde qui peut les chanter aussi bien que lui, donc je laisse les autres le faire s'ils le veulent, mais ça lui appartient, c'est lui le meilleur, c'est lui qui les chante le mieux. Je ne me permettrai pas. Je pense que c'est le plus grand défaut, c'est peut-être son impatience. Il est très impatient et peut-être envie que les choses se fassent vite et tout ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment un défaut. Puis c'est pas vraiment à moi de dire quels sont ses défauts. J'ai encore beaucoup à apprendre sur lui. Donc il y a peut-être des choses que... il est généreux. C'est quelqu'un qui est très généreux. Quelqu'un, malgré son air un petit peu, des fois on raconte des choses sur lui qui ne sont pas tout à fait vraies, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et de pudique et de timide. Par contre, la magie de ce métier fait que quand tu montes sur scène, bah, t'oublies tout et tu es une personne complètement, pardon. Voilà, David. Je voulais vous dire toutes mes félicitations parce que c'est formidable. Je vous remercie. Jamais c'est madame. Claude qui est derrière. Jamais j'ai vu un tel critique sur un tarif. Non, mais ce matin, mais les radios ce matin, depuis 7h, ne parlent que de ça. Toutes les radios. Il y a quelqu'un de bien pensant ce matin qui me disait en regardant François, il aurait profité pour augmenter les impôts ce matin. Les gens n'en avaient rien à faire, ça serait passé tout seul. Absolument. Allez. Ok. On va y aller. À tout à l'heure. Bonne soirée. Dans les couloirs et dans les loges, chez les musiciens et chez les choristes, 2 minutes d'intimité et de bonne humeur. Qu'est-ce que vous en faites de l'intimité? Vous emmerdez, monsieur.
par la télé. La télévision, elle est là, la télévision. La télévision, mon fils, ma fille. On est des artistes. Voilà, rock and roll. I love you, Mr. Jones. Je suis la deuxième, allez, dis clap deuxième. Clap deuxième. Clap deuxième. Quelle intimité, qu'est-ce que vous en faites? On refait, c'était très bien. Ah bon, on refait. Clap huitième. Et l'intimité, qu'est-ce que vous en faites de l'intimité? Vous cassez les couilles, monsieur. Tu te sens pas ridicule? Forcément, elle marche beaucoup moins bien. C'est pas le même que j'ai compris. C'est pas le même prix. Non mais dis donc. Faut plus jeter. Un derrière l'autre. Sous la direction de Jean-Marc Minéo et d'Yvan Chiffre, la bagarre est le tableau qui nécessite le plus de participants et le plus de répétitions. Enclenchez une vitesse à la boîte, ok? Et on va sauter sur place, là, allez, bougez-vous, comme... sautez sur place pour voir si les motos, elles bougent pas, allez. Non, je te conseille le stabilisateur qui est sur les petites caméras pour quand on fait comme ça. Alors je peux mettre comme ça ou comme ça, toi, pour protéger les lunettes. On commence à répéter doucement à l'italienne les bagarres. Près d'une centaine de cascadeurs professionnels ou amateurs pour les Desperados ont fait semblant de s'en mettre plein la tronche pour le plus grand plaisir des 180 000 spectateurs du Parc des Princes. Top, c'est parti, allez. Bagarre. Il a fallu pour la protection personnelle de Johnny pas moins de 35 gardes du corps, un chiffre qui est passé à 85 dès le deuxième jour. 40 étaient chargés de garder la scène et de secourir les personnes qui se trouvaient mal. Pour éviter la déshydratation, plus de 3000 litres d'eau furent distribués ou aspergés sur les fans en délire. Le problème posé à l'équipe de sécurité fut bien sûr l'entrée sur scène de Johnny. On a demandé à Jean-Claude Camus qui avait eu l'idée saugrenue de lui faire traverser la foule. Hein? Elle est de qui cette idée? Hélas, elle est de moi celle-là. Je l'avais proposée au comité, puisque c'est un petit comité qui travaille, qui propose des idées à Johnny. Et on a tellement fait de choses invraisemblables avec Johnny qu'il fallait trouver quelque chose qui,
qui aille encore plus loin et qui sort vraiment de l'ordinaire. Et moi, je pensais que c'était très grand comme idée de faire traverser le public. Ça s'est avéré vrai, d'ailleurs. Mais ça a été tout un complot parce que j'étais certain qu'il allait refuser l'idée parce qu'il voulait soit arriver en hélicoptère, soit arriver de différentes façons. Et j'avais peur qu'il trouve ça trop simple. Or, c'était très très loin d'être simple. Quand j'ai lancé l'idée, il a regardé les uns après les autres, Bami, son équipe, et il a senti que tout le monde était tout à fait d'accord et ça a été terminé. Jamais le problème ne s'est remis en question. Moi, je pensais que ce serait très difficile malgré tout, mais tout le monde s'accordait à dire non, de Johnny, ils vont s'écarter. Ils vont s'écarter, oui, même si les gens voulaient s'écarter, ils en avaient 25 000 qui les repoussaient, donc c'était quelque chose d'impossible. Alors, on est parti parce que tellement stressé par tout ce qui allait se passer, par le spectacle, par tout ce qui se... Donc, on est parti. Je suis parti devant pour mettre Johnny en route et j'ai réalisé en une fraction de seconde que c'était d'un seul coup une idée qui était très dangereuse et que s'il se passait quelque chose, il fallait que je sois là. Je ne sais pas à quoi j'aurais servi, j'en sais rien, mais en tout cas j'étais là et je suis parti avec Johnny. Et voilà comment je me suis retrouvé à l'avant, presque en garde du corps. À l'arrivée du premier jour, les 15 derniers mètres, ça a été une horreur. C'est très drôle parce qu'on voit toujours Johnny qui garde le sourire, qui resterait des contractés alors qu'il était, mais il était arraché de tous les côtés, il était compressé. Quant à moi, je me suis trouvé sorti du petit cercle de sécurité, et ben j'ai vu ma dernière heure. Je commençais à étouffer et d'un seul coup, j'ai aperçu Jimmy, mon chef de sécu, qui était à deux têtes de moi. Et j'ai vraiment hurlé ce qui me restait de fort. Jimmy, ne m'abandonne pas. Et j'ai réussi à l'accrocher et ils m'ont estirpé comme un paquet. Ils m'ont jeté dans le fossé. Quoi. Moi, je mets 20 minutes à m'en remettre. Johnny, il n'a pas le temps de ça parce qu'il faut qu'il assume sur scène. Et moi persuadé pendant tout le spectacle, et Johnny aussi d'ailleurs à la fin, il a dit bon, on l'a fait un jour mais on le fait plus. Et puis on a tellement eu d'échos formidables derrière qu'on a décidé d'y aller le lendemain. Alors j'ai dit à Johnny, t'inquiète pas, là on a tout prévu, renfort de sécurité, 40 mecs, etc. Ça a été un tout petit peu plus facile, mais pas beaucoup plus. Alors le troisième jour, on a dit bon, alors on a bien compris que lorsqu'on arrive dans les 15 derniers mètres, on ne peut plus avancer, quoi qu'il en soit, on ne peut plus avancer. Alors, on avait prévu une autre équipe qui vienne à notre rencontre. Donc, on avait bien prévu, et il était prévu que je levais le bras, etc. et tout, parce qu'on avait du mal à nous apercevoir dans la foule même du bas. Et en fait, on s'est déporté de 10 mètres et on n'a jamais pu faire la jonction, ce qui fait qu'on a eu autant de mal à arriver. Quoi. Et qu'est-ce que Johnny en a pensé, réellement ? Johnny, comment dirais-je, ne livre pas facilement ses sentiments, je sais en tout cas que le deuxième jour, au moment où on allait sortir du tunnel partant de la loge, dans ce long couloir interminable, pour décontracter un petit peu l'affaire, d'un seul coup, je marchais à côté de Johnny et je lui dis, pensant qu'il avait déjà oublié, il faudrait quand même savoir quel est le connard qui a eu cette idée. Il s'est retourné là, chez toi. Vous vous souvenez tous du Zénith 84, une des arrivées les plus réussies de l'histoire des shows de Johnny. Remisé depuis tout ce temps dans un atelier d'Eure-et-Loir, la main nécessitait une réfection complète, avant d'accueillir dans sa paume une superbe danseuse, toute de bleu dévêtue. Il fallait 4 heures chaque soir pour habiller la partenaire de Johnny dans Gabrielle. 4 heures pour faire croire à tous les spectateurs qu'elle était réellement vêtue. Seuls les heureux possesseurs de cette cassette sauront toute la vérité et vont en profiter. Bande de petits salopios! We'll be right back.
Professionnels ou amateurs, inconnus ou célèbres, tous y ont été de leurs photos ou de leurs vidéos souvenirs. Pendant que les fans patientaient, certains depuis midi, les petits métiers s'installaient fiévreusement. Ok, très bien, c'est bon, bravo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Situation reprise en main sur Auteuil. Maniez-vous les gantelles ? Dès l'ouverture des portes, dès 17h, c'était la ruée. Le but de la course, avoir le privilège d'être dans les premiers rangs, à quelques mètres de l'idole. Et maintenant quelque chose d'extrêmement rare. Nous vous invitons à partager l'intimité de Johnny dans sa loge quelques minutes avant d'entrer en scène. Nous sommes en compagnie du ministre de la Culture, Jacques Toubon, accompagné de Madame et d'un grand ami de Johnny. Et puis, même ma fiancée en Amérique, elle ne connaît pas les États-Unis. Vous ne connaissez pas l'Amérique ? Non, il va vous faire connaître l'Amérique ? Exactement. Et moi, je connais bien les États-Unis. Ah, rien que pour ça. Ah, très bien. Il faut bien quand même que je fasse connaître le monde. Salut, mon grand. Bonjour. Ça va ? Bien. Bonjour. Ça va ? Ben alors, Jean-Paul. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais alors, écoute, on se suit dans les anniversaires. On se suit, mais j'ai un peu d'avance, c'est ça qui emmerde. Bon, on fait quand même. On fait quand même. Pas l'impression. Apparemment. Putain, t'es beau, toi. J'ai une borne très bien. Ah ben oui, c'est le plus entraîné. Tu as fait une belle photo, dis-donc. Ah,
Je me suis appliqué pour toi. Ça va bien. D'ailleurs, il y a eu une pièce. Bon, moi je vais vous dire. Parce qu'avant là, je vous m'évacue encore. Bien la bête. Je vais appeler Pascal. Merci, Pascal. À bientôt. Non, non, je viens de jouer au tennis. Bonne soirée, j'espère. Bon, Jean-Paul, à bientôt. Oui. À bientôt. Attendez, bougez pas. Non, non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. S'il vous plaît. Je tiens à m'amener jusqu'à la scène. Tu marches entre ta garde, il y a Marco qui ouvre la porte. C'est bien ça, Marco, hein? Marco! Oui. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau? C'est bien toi qui ouvre la marche, Marco. Très bon bras. C'est bien ça, ça fait la marche. Super, c'est super. Pour le guider, les athlètes, on est d'accord. Ah, bon. Ok, ça marche. Je suis Marco, il sera devant toi. Voilà. Tu vas les faire, mon vieux. Pas ça arriver à ce moment-là. Tu vas les faire, mon. Ils sont bons, hein, ça. Pas du tout. Pas du tout. Tu te mets entre les athlètes et Et voici une version intégrale de Je suis seul. Vous pourrez y voir Johnny jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une loge pour se changer et attaquer la deuxième partie de son spectacle. Je suis amoureux, moi je sais. Cet amour-là, je ne connaissais pas. Il ne s'en va, je ne connais pas. Yeah.
Et c'est reparti. Après 1h15 de show et seulement 1 minute consacrée au changement de costume de scène, Johnny repart pour les 2 dernières heures de son concert marathon. Pour sa 2e entrée, c'est une superbe Buick blanche qui l'attend. Restons dans les beaux châssis puisque c'est une Triumph TR3 qui emmène Sylvie sur scène pendant que s'égrène les dernières notes de Tennessee. Et voici le cascadeur François Bourdillon, que l'on surnomme le Zipou humain. C'est lui qui faisait, souvenez-vous, une traversée du pont très brûlante. Yeah.
Quant à l'élastique Edgy Hackett, il se jetait du haut des tribunes du parc pour donner un peu de piquant à fils de personne. Le problème de sangle, elle n'est pas très esthétique, elle passe devant la guitare, je sais pas si ça se voit de loin. Ben, tu vois partir, c'est plus la sangle, hein, c'est... Quartier des fous, les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachou, des flambeurs, des tatoués et des loulous. Puis la liberté, faut la payer, et on enterre le corps sous le miroir. Et la liberté, on l'a rêvée, quand on promène le corps sous le mirador. Ouais. Touch a dream in your sleep last night, and held you to me in the blue dawn light. I never knew there was a place this deep, or that you would reach that place for me. If you trust in my soul, I can show you my heart. Give all I am to you, to heaven to hold. Trust in your soul, I'll show you my heart. Give all you are to me. My own shadow shining light to me. And I am willing to go anywhere.
et pas le Pérou. Mais il faut rêver quand on promène nos corps sous le mirado. Trust in my soul, I'll show you my heart. Give all you want to me, to love and to hold. Promène nos corps sous le mirador. Trust in your soul, I'll show you my heart. Give all I am to you, to have and to hold. To have and to hold. To have and to hold. Le meilleur. Et enfin, nous vous proposons de terminer par un final très musclé où l'on explose les guitares électriques dans la plus pure tradition des 60s, comme au bon vieux temps du rock'n'roll.
C'est ici qu'il fallait faire un apéro. Bon bah finalement ça s'est pas trop mal passé. Ah ma vie, ma vie ici. Moi je m'occupe de tout le reste. Hein. Allez, Jacques. Jacques, allez viens. Pardon. Vas-y, vas-y, mets la tête dans la face, il est encore là. Mais... Denis. Hé, pépé, pépé. Allez, ciao. Je ne fais que passer dans la nuit.